Bonjour, chers téléspectateurs, et bienvenue à cette émission où on donne la parole aux organismes. On continue encore cette semaine nos capsules avec le réseau des aidants naturels. Nous en sommes à la capsule numéro 4 où nous allons parler des besoins. Et je suis en compagnie de M. Fortier, qui est le président du réseau des aidants naturels, et Mme Saint-Georges, qui est la coordonnatrice au réseau des aidants. Bonjour, Mme Saint-Georges, ça va bien? Bonjour, Martine. Bonjour, M. Fortier. Bonjour, M. Fortier, qui est le président du réseau des aidants naturels d'Autriche, c'est ça? Exactement, oui. Donc, cette semaine, nous allons parler des besoins, c'est ça? Tout à fait, exact. Alors, quels sont les besoins particuliers aux aidants naturels? D'accord. Donc, on va aller voir la capsule qui dure environ encore un petit 10 minutes et on revient, on en discute tous les trois sur la capsule. Allons voir le visionnement. L'aidant a une multitude de besoins particuliers pour bien assumer son rôle. En effet, outre l'équipement médical requis pour les soins directs à l'aider, la personne aidante a besoin de support pour apaiser son stress et son anxiété, de répit pour les multiples tâches qu'elle accomplit, ainsi que d'informations sur les ressources existantes pour lui venir en aide. La situation de l'aidant est complexe. Elle sous-entend que l'aidant a les mêmes besoins que la population en général, en plus de besoins spécifiques à sa condition. Il en est de même pour l'aidé, qui se voit dépendant de quelqu'un en raison de son état de santé. Au niveau des besoins, moi, je vous dirais que les aidants naturels ont 4 besoins spécifiques. OK? Les besoins physiques, les besoins sociaux, les besoins d'estime de soi, puis les besoins pour combler l'oubli de soi aussi. Je m'explique. Dans les besoins physiques, on regroupe tous les besoins au niveau des besoins de base, là. Bien s'alimenter, bien dormir, avoir une saine hygiène de vie, OK? C'est les besoins physiques, en gros, qui sont la base, OK? Parce que si vous avez un aidant en santé, c'est sûr que l'aidant va être en mesure de jouer son rôle, hein, de façon adéquate. Dans les besoins sociaux, c'est tous les besoins, OK, de sentiment d'appartenance. Okay? Avoir besoin, être capable de consulter une amie, de téléphoner à un groupe, de participer à des rencontres, socialiser, aller à une réunion du Club Optimiste, c'est vraiment, okay, des besoins qui permettent à la personne de sortir de son rôle d'aidante naturelle et d'aller se nourrir pour pouvoir mieux jouer votre rôle d'aidante naturelle. Avoir du sport à la maison, là, c'est super important. Et surtout avoir du répit personnel, du ressourcement. Être capable de partir, puis si tes enfants t'ont donné des billets pour aller au cinéma ou aller voir un spectacle ou aller souper avec eux ou avec tes petits-enfants, bien, ça prend quelqu'un à la maison. Tu peux pas laisser ta personne malade tout seul, là. Puis ça, là, c'est très, très important pour la personne aidante. Bien, l'aide qu'on donne, c'est sûr que c'est... Je pense que c'est bien ciblé. On donne la bonne chose, mais le nombre d'heures ou le nombre de fois qu'on visite n'est pas assez. C'est sûr que c'est toujours une question d'argent, là, de budget et ainsi de suite. Mais je pense qu'en général, on cible bien le besoin, mais qu'on le comble, je suis pas sûre qu'on le comble toujours à 100%. Ce que je fais pour la majeure de mon travail est de donner des bains. C'est sûr qu'on va donner aussi du répit pour des périodes restreintes d'à peu près 3 mois. On donne du répit aux aidants. Et on peut faire de la préparation repos. C'est des blocs de 3 heures où on va préparer des choses pour que la famille soit capable de se faire réchauffer ça. Fait qu'on a bain, répit, repas. Et, mais c'est sûr que la majeure, c'est des bains. Fait que quand on donne des bains, c'est sûr que, bon, l'aidant a pas à faire ça pendant la semaine. On va visiter les gens des fois, une fois, deux fois, tout dépendant de leurs conditions. Le répit, les aidants, bon, peuvent quitter soit une journée, soit un bloc de 3 heures, tout dépendant de ce qui est accordé après une évaluation de la technicienne en travail social.
Puis les aider d'habitude aiment voir les auxiliaires, là, ça leur change du quotidien. Puis c'est pas toujours la même fille qui y va non plus, fait qu'on raconte des choses, puis on rit, puis ça fait changement que ça soit toujours soit la fille ou la femme ou le mari. Fait qu'on met un peu de vie dans leur milieu aussi. C'est très utile d'avoir des personnes qui viennent aider à la maison, donner son bain, voir ses besoins, un ergothérapeute pour mettre les trucs là, pas qu'ils tombent et tout ça. Là. Bien, ça, c'est super important, c'est sûr. Nous, en CLSC, c'est certain qu'on ne fait pas de traitement comme tel. Fait que c'est plus de l'adaptation. Fait qu'on va regarder, on va commencer par regarder, bon, c'est quoi les besoins de la personne, c'est quoi ses incapacités. Puis après ça, on va aller adapter la maison. Il y a des programmes d'adaptation du domicile qui existent, des subventions gouvernementales qui font qu'on va regarder si, admettons, ça prend une rampe d'accès, un ascenseur, élargir les portes, un fauteuil roulant, adapter la salle de bain pour que les soins soient le plus facile à donner. Ensuite, on va regarder au niveau, bon, le transport adapté, on va remplir si elle a besoin de transport adapté, les vignettes automobiles. Si elle a besoin d'adapter son véhicule, on va aller avec la SAC faire adapter le véhicule, la référer à l'endroit. S'il y a des fauteuils roulants, on va la référer vers où ce qu'on fait les demandes de fauteuils roulants. Là. Ici, c'est au Bouclier à Joliette. Donc, c'est ça qu'on fait, c'est vraiment de regarder l'environnement. Puis après ça, on regarde avec la personne, on fait beaucoup d'enseignements. Parce que la personne qui a des pertes au niveau, disons, physique, ça a de la difficulté à faire ses transferts, aller à la toilette, aller à la salle de bain ou à embarquer dans son lit. On va faire de l'enseignement. Fait qu'on va enseigner à l'aidant naturel comment faire les choses pour qu'elle puisse aider le plus possible la personne sans se blesser. Les aidants, dans le fond, je pense que un de leurs grands besoins, c'est d'être écoutés puis d'avoir un peu de répit. Fait que souvent, nous autres, quand on arrive en le CLSC ou tout le monde, souvent, ils vont se sentir envahis. Puis ils vont dire, bien là, c'est bien beau, on a des services, l'ergot vient, l'infirmière vient, la travailleuse, tout le monde vient, mais là, ils se sentent vraiment envahis. Puis des fois, c'est qu'ils auraient besoin du répit, tu sais, style, j'ai le goût d'aller au cinéma ce soir, mais c'est pas ça qu'on leur donne, nous autres. On leur donne du répit, oui, mais c'est comme le jeudi après-midi, le mercredi matin, tu sais, c'est... Fait que dans le fond, eux autres, souvent, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils voudraient comme être respectés dans l'acceptation, premièrement, de la maladie, mais aussi dans leurs besoins de base. Des fois, ce qu'ils auraient besoin, c'est juste d'être à la maison, faire du cocooning un peu, puis que la personne pourrait sortir, l'aider pourrait sortir. Parce que dans le fond, on veut toujours faire sortir l'aidant, puis que l'aidé soit là pour qu'on vienne donner des services. Mais des fois, c'est l'inverse. Elle aimerait ça rester dans ses choses, puis qu'on puisse sortir la personne qui est aidée. Puis dans le fond, elle juste avoir du temps pour elle. Là. Fait que c'est souvent ça, mais je pense que les personnes, les aidants naturels, moi, je les appelle, c'est des cœurs sur deux pattes, là. C'est des personnes généreuses, mais qui ont tendance beaucoup à s'oublier. Fait que c'est vraiment d'essayer là, qu'ils se retrouvent dans ça, là, finalement. La personne malade a besoin beaucoup, beaucoup de ton attention. Elle t'interpelle souvent, elle a besoin de toi souvent. Fait que quand tu es en train de faire quelque chose, bien, faut que tu laisses ça là, puis t'occuper de ta personne malade. Fait que à ce moment-là, il y a des choses qu'on est obligé de négliger dans la maison. Fait que, surtout que moi, j'ai fait un ACV, puis avoir quelqu'un pour aider à faire le ménage, à faire les commissions, les choses comme ça, là, c'est très important aussi. Mais moi, je mets l'accent sur le fait du ressourcement puis du répit personnel, en plus des autres choses. Les autres choses, là, c'est obligatoire. Ça, là, c'est un bonheur total. Puis moi, je pense aussi que ce serait important que la personne qui est malade puisse avoir un suivi à la maison, soit par un médecin, qui sont rares, ou une infirmière spécialisée. Qu'elle vienne au moins une fois par mois constater comment il va, là. Tu sais, là. Puis s'il a besoin d'aller voir un médecin, si elle trouve que ses médicaments, ça ne fonctionne pas, bien, nous, on n'est pas médecin, on n'est pas garde-malade, on est des personnes bien ordinaires, fait qu'on ne peut pas juger si ça ne fonctionne pas ou pas, là. Fait que la visite d'une infirmière à domicile une fois au moins ou à l'occasion, irait à la maison, ce serait aussi très important. Donc, Mme Saint-Georges, M. Fortier, comme on vient le voir dans le DVD, les aidants naturels ont des besoins. Selon vous, c'est en quoi que les besoins sont les gens, les aidants ont le plus de besoins?
Oui, les aidantes naturelles ont des grands besoins, c'est certain. Et bon, avant de faire le tour, j'aimerais dire qu'un aidant, une aidante naturelle, c'est pas des martiens. C'est des gens comme tout le monde qui, à un moment donné, chez qui la maladie arrive chez eux, dans la maison, chez un parent, chez un frère, une sœur, un conjoint, une conjointe ou un enfant. Et ça détermine aussi le type de maladie. Ou si ça peut être aussi des personnes vieillissantes, c'est certain que ça va plus lentement dans les besoins, mais ça détermine tout ça, les besoins des aidants naturels. Mais je dirais, moi, que dans mon cas, qui est un aidant naturel, le plus grand besoin que j'ai eu au départ, c'est de savoir que mon aidé ait tous les services nécessaires pour la rendre autonome et la garder autonome le plus longtemps possible. Ça, c'est mon premier besoin, je pense, parce que j'ai peut-être le type paresseux un petit peu, mais pour moi, comme aidant, je pense qu'il faut que j'en fasse le moins possible et il m'en restera toujours encore très largement, suffisamment là, de travail à faire. Donc, mon besoin, c'est que mon aidante soit autonome. Et pour ce faire, bien, ça prend des services. Donc, l'aidant a besoin de voir avec son aidé, ça dépend de la condition de son aidé, mais souvent l'aidant va être le premier sur la ligne pour aller chercher les services aussi. Dans mon cas, à la maison, on a eu besoin de services au niveau de l'adaptation de la chambre de bain. Entre la cuisine et la salle de séjour, il y avait une marche, donc il a fallu faire une rampe entre les deux. Et On a un certain nombre de sous pour faire des changements chez nous. Donc, on aurait besoin éventuellement d'une rampe extérieure aussi pour accéder à la maison, mais c'est pas fait. C'est un projet futur parce que, justement, dans le premier projet, ça pouvait pas être fait. Bon, c'est les besoins physiques, mais on a d'autres besoins que ça, bien sûr. Comme aidant, on a besoin de continuer à vivre en société. Mm-hmm. J'avais des occupations en société, dans des organismes, et j'ai continué. Mais pour faire ça, j'ai continué à œuvrer dans ces organismes-là. Mais pour faire ça, bien, ça prend de l'aide aussi. Ça prend de l'accompagnement, de l'aider. Pour pouvoir sortir de la maison. Effectivement, on ne peut pas sortir de la maison comme ça et laisser les aidants. Donc ça, c'est un besoin très, très important. On a besoin d'informations comme aidant aussi. On a besoin d'informations sur les services, justement, que l'aidé a droit de recevoir. Donc, il faut s'informer. Il faut continuer à s'informer sur les services, où on peut obtenir les services. On a besoin de... On sait que le gouvernement donne des crédits d'impôt. On a besoin de s'informer à ce niveau-là. Donc, on a besoin de formation aussi. On a besoin de formation pour faire en sorte qu'on soit apte à accompagner notre aidé dans ses déplacements, par exemple. On a un bel exemple de ça, de formation. Madame Saint-Georges, notre coordonnatrice, a organisé avec le CLSC dernièrement une formation au centre Alphonse Rondeau à La Noraie, mm-hmm. sur les déplacements légers. Moi, ça fait 3 ans que je suis en état d'être aidant naturel et j'ai assisté à cette formation-là. C'était une formation qui était tout à fait simple, de base, mais qui était très satisfaisante aussi, très aidante. On a juste appris comment s'asseoir sur une chaise, se lever d'une chaise, comment aider mm-hmm. sa personne à se lever, à s'asseoir, ou à monter ou à descendre un escalier. Besoin très de base, hein? Ouais. Mais quand même, on a fait 3 heures là-dessus et on s'aperçoit qu'il y a des techniques pour être sécuritaire dans nos déplacements, même les plus petits déplacements. Tu sais, des fois, c'est tout dépendant, comme vous dites, le style de personne. Des fois, c'est l'Alzheimer, mais des fois, c'est un handicap physique. Nous, il faut lever la personne, il faut avoir la bonne technique pour ne pas nous se blesser. C'est ça aussi qui est important, d'avoir les bonnes... Comme les formations, elles sont exactement pour ça.
Oui, entre autres, à cette formation-là, une clé de base que l'intervenante, Mme Morissette, intervenante au CLSC, nous a fait comprendre qu'il faut que l'aidé garde le plus longtemps son autonomie. Et justement, la petite formation ciblait en même temps, ça sécurisait l'aidant, parce que là, il pouvait l'aider à tout doucement garder son autonomie, prendre le temps de la guider, de l'accompagner pour qu'elle puisse justement faire des petits déplacements légers. Alors, se lever d'une chaise, comment monter une marche, puis tout en étant présent, puis que ça soit sécuritaire pour l'un et pour l'autre. Et même comment se lever d'un lit, ça a l'air... pour nous, c'est simple qu'ils sont autonomes physiquement, mais pour un aidé qui a une difficulté de déplacement, ben, d'avoir le soutien puis lui montrer doucement, tranquillement, comment garder son autonomie, ben, c'est satisfaisant. Puis il y a une forme de fierté aussi qui vient se rajouter à ça, autant de l'un qu'autant pour l'autre, et c'est très sécurisant. Surtout pour l'aider, parce qu'il sent déjà qu'il y a une perte d'autonomie à cause de son handicap. Donc, si on est capable de lui montrer des choses, il va dire, ben, regarde, je suis peut-être, oui, un petit peu handicapée sur certains points, mais je ne suis pas obligée de me demander mon aide tout de suite. Là, plus longtemps qu'on est capable de l'extensionner, mieux que c'est, je crois, pour l'aider, puis ça le valorise encore plus. C'est une question d'estime de soi, bien sûr, pour l'aider. C'est clair qu'ils ont besoin d'être autonomes le plus longtemps possible. Et c'est un peu difficile, dépendant des gens aussi, des aidés. Il y en a qui vont accepter de se faire aider. Il y en a qui vont vouloir se faire aider tout le temps. Ils vont aimer que l'aidant fasse les choses à leur place. Alors ça, c'est une chose qu'on a à... On a à évaluer comme aidant aussi jusqu'où on va là-dedans. Et quand notre aidée nous dit qu'elle a besoin, c'est difficile de dire à l'aidée, moi, je pense pas que tu as besoin de ça. Même si des fois, on est porté à le penser. Alors, il y a une communication à faire avec l'aidée qui est très importante, là. Au niveau des besoins importants aussi, je pense qu'il y a un besoin, puis tous les aidants ont ce besoin-là, c'est du répit. Après les premières années, moi, les deux premières années, j'ai comme pas senti le besoin. Mais ça dépend encore de la lourdeur du cas de notre aidé aussi. Hein? Bien sûr, j'ai la chance, moi, que mon aidé a encore une certaine autonomie. Donc, les besoins viennent moins rapidement que les personnes qui ont des cas lourds à faire. Mais le besoin de répit, ça c'est là, ça c'est certain. Et du répit à tous les semaines, par exemple, quelques heures à tous les semaines pour continuer à faire, avoir une vie intéressante, puis une vie saine aussi. Aller faire du sport, aller faire du vélo, du tennis, comme on en fait avant, mais c'est sûr que si on est pris à la maison constamment, puis qu'on n'a pas d'accompagnement à la maison, c'est difficile de faire ça. Au niveau, les deux premières années, ça allait aussi, mais tu te rends compte qu'après plusieurs années, de prendre en charge la maison, de prendre en charge les repas, de prendre en charge le ménage, ça finit par être lourd. Il y a l'intérieur, puis il y a l'extérieur aussi. C'est ça, parce que ça vient pas évident. T'sais, des fois, bien, souvent, il y a des affaires, comme vous dites, les repas, le ménage, bien souvent, c'est madame qui va faire ça, mais quand l'aidant devient l'homme, c'est à apprendre, ou vice-versa, quand c'est l'homme qui est malade, puis que la femme devienne l'aidant, il faut qu'elle apprenne le gazon, les entretiens ménagers extérieurs. Il y a des nouveaux rôles. Il y a des nouveaux rôles. Donc, c'est comme on dit toujours que la vie est une école, même autant que c'est on est aidant, on a toujours des choses à apprendre, je crois. En tout cas, de la manière que je vous entends parler. Il y a des nouveaux rôles, puis c'est important d'aller chercher de l'aide. C'est important d'avoir de l'aide. Ça, c'est un autre besoin qu'on a, d'apprendre à aller chercher de l'aide comme aidant aussi. Bon, aujourd'hui, j'ai 4 heures par semaine d'entretien ménager par la coop de soins à domicile. 4 heures, dont 1 heure pour faire de la popote. Bon, c'est certain que j'ai encore à planifier les repas, puis à aller faire l'épicerie, puis à préparer les ingrédients. 1 heure dans une semaine, tu fais pas de la popote pour une semaine, là. Mais il reste que quand la personne, l'intervenant vient,
ou la personne qui vient t'aider à domicile arrive, bien, le fait de faire une heure de popote avec elle, c'est aidant. Ouais. Et c'est pas rien qu'aidant dans la popote, c'est aidant aussi, c'est un soutien psychologique aussi quelque part, parce que tu te sens soutenu dans ton... tu te sens moins seul dans ta galère. Alors, ouais. Ça, c'est très important, je pense, Mais c'est ce soutien-là. Je crois que c'est bien aussi, puis c'est plaisant d'avoir de l'aide, en dehors que les membres de la famille. Parce que des fois, c'est pour tous les membres de la famille qui peuvent venir nous visiter, justement, pour aider, soit pour les repas, puis tout ça. Fait que donc, d'avoir des personnes autres que les membres de la famille, Mme Saint-Georges, ça doit aider beaucoup, je crois. Oui, effectivement. Et puis, comme M. Fortier disait, de ne pas avoir peur d'aller chercher, justement, de l'aide à travers les services des CLSC pour avoir, justement, le répit, le soutien, pour soit les physiques, hein, donner le bain à la personne si elle a besoin, un peu comme la dame le disait dans le DVD. Alors, les besoins sont physiques, sociales. Puis M. Fortier exprimait très bien qu'il avait besoin, lui aussi, de garder ses activités normales pour maintenir un équilibre émotionnel et social. Alors, et un des mandats du réseau des aidants naturels, c'est justement ça, permettre aux gens de pouvoir justement créer un réseau d'amis, un réseau de personnes qui vivent une situation similaire et entre elles partager leur expérience. Alors, justement, le réseau des aidants naturels d'Autré est là pour permettre justement aux gens à maintenir ou à créer ce réseau social-là s'il y en a peu. Et puis après, bien, ça s'enchaîne, les formations, le ressourcement qu'on peut offrir, puis même parfois de l'accompagnement, parce qu'il y a parfois de l'accompagnement individuel qui peut se faire. Il y a de l'écoute qui se fait aussi au réseau des aidants naturels. C'est fait dans la confidentialité. Et puis, c'est important aussi, parce que ce que je remarque dans les cafés-rencontres qu'on fait, les gens apprennent à nommer leurs besoins, parce que c'est pas évident pour un aidant qui, du jour au lendemain, se retrouve avec plein de nouveaux rôles, plein de nouvelles tâches, puis il doit aussi apprendre à nommer ses besoins, parce que souvent, le faire prend le dessus, mais puis, oui, puis pour être capable de nommer son besoin, ça prend un petit moment d'arrêt, puis un petit moment d'introspection. Et les cafés-rencontres au réseau des aidants naturels d'Autré, c'est là pour ça. Et puis parfois, l'expérience des autres aidants ou ex-aidants qui nous accompagnent au café-rencontre vient stimuler cette introspection-là, cette démarche intérieure. Alors, puis il y a d'autres besoins aussi qui peuvent être stimulés. Je sais que les gens qui ont c'est des deuils à faire. Alors, puis je pense qu'un des besoins, le besoin spirituel aussi, c'est quelque chose qui peut être très soutenant dans ces périodes-là pour des personnes qui vivent des situations difficiles. Peu importe la confessionnalité, là. Mais je pense que ça reste un besoin fondamental chez l'être humain. De nourrir son espérance. Oui, ouais. Parce que c'est quand même, il faut garder l'espoir. Il ne faut pas se décourager, parce que comme on dit, autant dans les DVD que les capsules antérieures, c'est que c'est bien beau où on devient aidant. Il ne faut pas que notre santé, à un moment donné, fasse que nous aussi, on devienne qu'on ait besoin d'aider. Donc, on revient avec comme deux personnes dans la maison avec besoin d'un aidant. Fait que c'est quand même... Mais les institutions, est-ce qu'ils les reconnaissent, les besoins que les aidants ont aussi, pour eux, comme on dit, ça leur passe 10 pieds par-dessus la tête? Moi, pour avoir fait des demandes, oui, je trouve que dans d'Autré, le CLSC est très aidant. Au départ, quand on vient pour entrer dans le système, on fait affaire avec une intervenante qu'on appelle une intervenante pivot maintenant. Et cette personne-là, vraiment, dans mon cas, ça a été très satisfaisant. Très rapide, elle nous a pris en charge, elle a déterminé, elle vient évaluer nos besoins et ça a été très efficace dans mon cas. Je voulais revenir sur un des besoins, on parlait de répit. On parle de répit à tous les semaines, là, quelques heures, c'est une chose, mais aussi, là, quelquefois, une fois par année, là, je pense que c'est important puis c'est nécessaire. C'est nécessaire d'avoir un temps de sortir de la maison, de prendre des vacances. De prendre des vacances, c'est une semaine, c'est pas beaucoup, même une semaine.
Moi, je sais que... Puis on parlait à savoir si on était écouté dans nos besoins par les intervenants. Moi, j'ai demandé au CLSC l'été passé 4 jours pour aller en camping avec des gens de ma famille. Et j'ai eu quelques heures de répit d'accorder pour ça. C'est sûr que ça couvrait pas 24 heures par jour là, pendant 4 jours, mais quand même suffisamment pour que la personne accompagnatrice vienne à la maison. C'est une personne généreuse, donc elle a fait les 4 jours. Elle a été payée pour quelques heures pendant ces 4 jours-là, mais quand même, c'était aidant. Et ça, le contact souvent avec nos familles, je trouve que ça, c'est un besoin qui est très précieux, qui doit être répondu aussi, ce besoin-là. Souvent, quand on prend soin d'une personne à la maison, à l'année longue, on finit par être isolé. Les gens de notre famille viennent plus à la maison parce qu'ils ont peur de nous déranger dans nos affaires. Ils ont peur d'ajouter à ce qu'on a déjà comme tâche, alors on les voit moins souvent. Puis c'est difficile, si on n'a pas d'accompagnement pour notre aider, d'aller voir nos familles. Ma famille est à Québec, donc si je veux les voir quelques fois par année, bien, j'ai besoin de quelqu'un parce qu'on peut plus se déplacer ensemble. Donc ça, c'est important, je pense, comme pour combler certains besoins. En terminant, parce que le temps file, Mme Saint-Georges, M. Fortier, je veux qu'on rappelle, le réseau des aidants naturels est là pour tout le monde. Oui. Les numéros de téléphone pour vous rejoindre. Alors, c'est le 450-836-0711. Et nos bureaux sont ouverts du lundi au jeudi, de 8h30 à 16h. Moi, je veux ajouter que... Oui, je voulais laisser le mot de la fin. Oui, ce qu'on fait ce matin, c'est très précieux. C'est très précieux ce que vous nous accordez comme temps de visibilité pour que les gens se reconnaissent comme des aidants, comme tels, parce que souvent, les aidants, ils sont anonymes, ils sont chez eux, et ils ne sont pas déclarés, ils ne viennent pas à des rencontres, ils sont isolés. Donc, je pense que d'entrer dans les maisons puis de leur dire qu'on existe, par ce biais-là, c'est très précieux, c'est très important. Bien, nous, ça nous fait plaisir de justement, de peut-être par le biais de la télévision, comme vous dites, ça peut briser le silence, puis que peut-être une personne soit touchée, puis dit, bien, regardez, là, moi, j'en ai besoin, puis bon, je vais me décider, je vais y aller. Nous, ça nous fait plaisir de vous rendre ce naissance, on vous rend un service, mais on rend service à la population ouais. par les capsules qu'on visionne, puis par les informations que vous nous donnez. Fait que, naissance, nous aussi, on vous remercie pour... les informations. Donc, on va se laisser ici pour cette semaine. Et la semaine prochaine, Mme Saint, le mois prochain, on parle... Alors, la gratification des aidants naturels pour leur implication. Alors, comment faire pour justement exprimer notre reconnaissance et notre gratitude aux aidants naturels? Parce que ça fait partie aussi d'un besoin. D'accord. Donc, c'est ce qui termine l'émission du Réseau des aidants naturels. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour une autre capsule en compagnie de Mme Saint-Georges qui va nous parler de la gratification des aidants naturels.